Radio Télé Guinée, amis auditeurs, amis téléspectateurs, quel que soit côté courrier là, nous on dirait qu'il faut vivre un moment spécial côté que le président de la République là pour arriver au palais de l'Élysée en direct à Paris. Nous saluons toutes amis téléspectateurs, téléspectatrices, quel que soit côté courrier. C'est avec un peu de plaisir de voir pour nous-mêmes, pour nous mettre en direct, pour être capable de vivre l'arrivée du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, accompagné de la première dame de la République, Martine Moïse, et autres officiels haïtiens, qui eux-mêmes pour aller là, dans une rencontre avec le président français, son Excellence Emmanuel Macron. Toujours suivant direct pour même qui est sous télé, pour même qui est sous radio, visite pour rencontre président d'Haïti avec président français. Donc nous avons salué aussi avec un pile n'évite rester branché pour ce qu'à n'importe quel moment. Président de la République là pour arriver là au palais de l'Élysée. Côté palgain, il y a une rencontre avec président français, homologue français qui c'est son Excellence Emmanuel Macron. Ça, c'est vérification aliments fanfare du palais de l'Élysée. C'est toute préparation ça qui a fait et nous très contents. Fort Vivio en direct sur Radio Télé Guinée. En direct sur Radio Télé Guinée et au même moment, nous avons qu'un d'antenne. Rien que pour capable vivre Jean-Lia, tout ce qui a passé au palais de l'Élysée en rencontre des deux présidents. Tout ça, c'est préparation qui a fait. Nous invitons à débrancher ou même en direct et en direct absolu. Nous sommes avec nous pendant que préparation a fait pour le président son Excellence Jovenel Moïse et son Excellence Emmanuel Macron. Nous avons Maguère Belva qui est même pas bon ici là qui accueille la presse, qui est en diplomatie. Donc oui. Alors bonne petite présentation faite à vous-même. Oui, je suis Maguère Belva, je suis responsable de communication et des relations publiques au Consulat général de la République d'Haïti. Là nous sommes en train de vivre un protocole. Là, vous voyez, les voitures sont alignées, celles du chef de l'État. Et notre président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, va arriver. Et son homologue français va l'accueillir sur le perron. Et à ce moment-là, les bilatérales entre les deux chefs de l'État. Et après, la presse va pouvoir filmer, le caméraman du président de la République sera invité à filmer et après conversation sera une conversation secrète entre les deux hommes. Bon, ça on l'espère, et ne pas que tout le public là est capable. Qui va durer 30 minutes à une heure, parce que les deux hommes ont beaucoup de choses à dire. La presse aura sa part, c'est à partir de là que la presse va entrer en jeu. Bon alors, comme nous avons en primeur téléspectateurs, tout le pays qui a regardé et peut-être d'autres haïtiens tout, et qui attendent tout. Qui sont pensés qu'à sortir, qui plus gros point qui t'a fait objet. Alors l'enjeu c'est de trouver des financements pour les problèmes que nous avons et dans le domaine de l'environnement. C'est un enjeu important du sommet. On va voir ce que ça va donner concrètement. Et pour Haïti et pour mon pays, c'est un enjeu considérable. Et le président Jovenel a des idées très précises sur cette question-là.
Eh bien, nous sommes capables de vous remercier. Par contre, l'autre mot encore, vous n'avez qu'à ajouter à la communauté. Non, je suis très content de recevoir la presse haïtienne, dont je connais la plupart des membres. Ça fait trois présidents déjà, et c'est toujours à peu près les mêmes visages que j'ai rencontrés. Je suis très content de les retrouver encore une fois, Wendell et Boz. Et... D'ici peut-être quelques instants même, nous voir on a quelle heure, mais on est prêt, on est fait prêt. Moi, je pense que dans deux minutes, les deux chefs, le président haïtien sera ici, dans deux minutes, parce que c'est très rodé. Alors, nous dit tous les amis téléspectateurs et auditeurs qui branchent Radio Télé Guinée dans le moment ça, et côté que, on t'y va me demander combien de degrés de température il a. Ouh, il fait très très froid, je pense qu'il fait qu'un degré, je crois, à Paris, là, actuellement, parce qu'il fait extrêmement froid. C'est normal, c'est un mois de décembre. Alors, nous-mêmes, la presse, alors, qu'il a tout, c'est dehors, hein, que nous obligés sur la cour, quand même, bonne chose pour nous. Bon, si la pluie, qu'il a, par contre, la pluie, fine, si la pluie, cap des demoiselles, il y a eu ça, la caillou, bien que tant demoiselles, mais encore, il faut dire les mêmes températures, et malgré que facteur, lui-même, vent qui a soufflé, les différents, ça a baromètre là, dit où. Donc, facteur vent, lui-même, est très important. Donc nous-mêmes, nous là, en direct, et nous suivons, et en plein ciel du palais de l'Élysée, et côté que Radio Télé Guinée a porté pour l'événement Jean-Lia, que nous-mêmes sommes capables de suivre. Et nous avons demandé de déliner pour panoramiquement pour le montrer à Tantlan, drapeau haïtien hein, qu'il a. À n'importe quel moment, que vous-même qui a gardé, dommage, ou même qui a attendu, pas capable, ouais, dans le moment ça, mais à n'importe quel moment, on évite de garder Télé Guinée, quel que soit côté où il y a, ou est capable de suivre ce qui a passé là, du palais de l'Élysée. Côté encore une fois, à n'importe quel moment, le président de la République là, son excellent Jovenel Moïse, et pour rencontrer avec son homologue Emmanuel, son homologue Emmanuel Macron, c'est ça. Merci. Là, déliné, fait nous l'arbre de Noël du champ d'Élysée, du palais de l'Élysée plutôt. Eh bien, amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous n'avons pas très contents de nous joindre avec nous. Une porte-parole de la présidence, c'est Mme Tamara Orion, qui nous a dit qu'il est très campé avec une fois là, mais qui attend. Quelle impression là, je dis là? Bon, quand le président de la République a été gagné pour être rentré dans le pays de la France depuis hier, il a été pour rencontré avec la communauté haïtienne dans Paris, malheureusement, à cause des conditions météorologiques qui étaient très difficiles en Angleterre. Le président est rentré matin, mais il est rentré, il a mis le travail rapidement. Côté, qu'on a rencontré avec l'homologue Emmanuel Macron, toujours dans l'idée de capable de discuter de rapports bilatéraux capables d'exister de pays, parce que depuis le président prêté seulement, 7 février, 2017, il va jamais attendre l'occasion pour dire, quel que soit côté de jouer l'opportunité pour jouer nos débouchés, pour porter un développement en plus pour payer la fête, mais c'est dans ce sens-là et visite-lui dans le pays de la France, n'est inscrit. Et on connaît pas seulement une priorité chef de l'État, Jovenel Moïse, côté le aller avec des amis belges, pour capable garder qui expertise en plus, nous capable de jouer pour nous gérer la question des autres surfaces, parce que chef de l'État souvent dit, il va normal pour chaque année 40 milliards de mètres cubes d'eau pour aller dans la mer, pour être de l'eau à tout le monde, il ne l'a pas gérer.
Donc alors, bien que chaque pays ait une saison par eux, quand même, élément où il y a joué, quoi qu'on y a là, nous n'en fois là. Donc malgré ça, malgré à cette heure, il y a un soleil. Mais cependant, donc, il y a même chaque pays qui a un problème par eux. Nous-mêmes, nous connaissons un problème par eux, non seulement structurel, et puis en même temps, tout, c'est la participation de tout le monde qui peut réellement construire Haïti, pour bâtir Haïti, pour permettre nous. Capable vivre même gens tout le monde. Effectivement, M. Bosch, effectivement, puisque je dis, chaque pays a des conditions pâles. Et je dis, on a un niveau école 21, côté chaque pays, ou même, il dit qui avantage ou bien qui pas en plus, il le fait pour capable réduire, ça n'est pas capable de capable dire conséquences, gaz à effet de serre, conséquences, tout question changement climatique. Là. Mais nous-mêmes, nous, en Haïti, il y a des bails que nous ne pas faire, mais nous subissons toutes conséquences de l'autre pays. Donc, c'est normal pour nous continuer de discuter avec eux, dialoguer avec eux, puisque nous-mêmes, réalité, pas nous, c'est déforestation, c'est inondation qui a crasé nos fonds. Nous joignons des modus operandi, des solutions pour nous capables de porter avec. Là, au palais de l'Elysée. On connaît que chaque fois, chef l'État prend la parole, il toujours parler de caravane. Et caravane, c'est un leitmotiv. Ce n'est pas en plus pour montrer avec un pilote monde qui ça a fait. Je me rappelle que chaque fois, chef l'État parle avec des gens qui ne connaissent pas Haïti. Puis il a expliqué qui ça caravane. Il dit que tu as une rivière au niveau de rivière La Ravine, dans le Grand Sud, qui était travail de digue que fait qu'il fait réduit à 60 mètres de large. Je dis en tout, le président a expliqué que bon zone qui est en bas quand on a campé un côté mon en haut quand on a les mon en bas quand on est sous table. Je dis en béton comment c'est mettre ça c'est fruit caravane et caravane pour tout le monde qui a gardé nous en Haïti et des haïtiens tout cas vivent dans le pays la France. Caravane c'est une stratégie pour mettre l'État au service peuple là. Cette stratégie pour dire à mon qui en Haïti et l'autre monde qui a gardé Haïti pour dire que je dis l'État capable prendre action pour venir avec des développements durables. Côté c'est l'État qui a baillé le temps. Regardez la construction, par exemple, ça a coûté 1 500 000 $. Mais je dis, parce que il y a le lot offre, l'État a une usine asphalte qui a produit. Je dis, 1 km de route a coûté à privé à 100 000 $ américains. Donc ça, je m'en vais aller là. Donc ça fait bon quand même au contraire. Communauté internationale là qui lui-même qu'on n'a pas supporté Haïti, fait des dons, que qu'on est capable de dans ce sens-là, et ça a encouragé. Tout à fait. Et chef l'État a tout mis un accent particulier tout sous gestion saine, notamment avec l'arrêté sur le train de vie de l'État, question de duplication et gaspillage. Mon frère qui mettait dans ça. Et chef l'État n'a jamais raté l'occasion pour le dire, lutte contre corruption, c'est un cheval de bataille. Parce que la communauté internationale, à Baou, faut gagner une gestion qui fait de la plus grande transparence. Et c'est dans la logique ça que le président Jovenel Moïse n'a même inscrit tête. Alors que nous connaissons dans le pays d'Haïti pour le vivre, nous avons une rencontre de président. Qui soit qu'a dit communauté haïtienne à Paris. Ça va être fait, mais ça me capable dit à communauté haïtienne à Paris, c'est que rencontre ça, il y a une chance pour le président Jovenel Moïse, il y a une chance pour poser la question. Parce que il y a un croisé un pays haïtien qui dit ah, je suis juste Strasbourg, je suis juste en Serbie, pour venir poser la question, pour venir connaître qui ça gagne. Mais c'est vrai que ça, c'est des aléas qui dépendent de nous, mais il y a une pile disposition pour capable garder qui arrangement qu'a fait pour le président Jovenel Moïse capable de rencontrer avec la communauté haïtienne. Parce que le président sorti, il est venu dans une zone. Les haïtiens quand même faut gagner des dialogues parce que au niveau de la Belgique rencontre ça tout pour le faire parce que gagner des haïtiens qui en Belgique qui besoin entendre qui ça gagne parce que là c'est nous c'est pas parole mais c'est de l'autre voix qui a parlé de caravane je t'ai même entendu que c'est président Jovenel Moïse qui explique qui ça caravane qui ça a fait parce que à environ 10 mois de président sous pouvoir grand pile travail qui fait grand pile en pile travail qui fait notamment avec la caravane du changement. Donc c'est Jean-Lier, oui, président même. Jean-Lier, oui, président, mais Jean-Doulin, au niveau de l'ambassade d'Haïti, en France, il y a des arrangements qui ont fait pour regarder est-ce qu'il rencontre ça, il n'y a pas arrivé fait. C'est vrai que il y a peut-être qu'il a raté, il y a qui s'est connaît, c'était dimanche quand rencontre l'a fait, mais il y a des dispositions après pour rencontre l'a fait. Et pour Haïti? Et nous qui a gardé qui a attendu là. Bon pour Haïti faut qu'on dise que le président Jovenel Moïse aujourd'hui est en tête une importante délégation, c'est un pas en plus pour capable continuer porter revendication peuple là parce qu'il fait une campagne pendant ces 22 mois côté pour mettre peuple là pile bagarre, il pour mettre notamment le potable, courant électrique, infrastructure et commencer ouais pour y avancer avec la caravane du changement donc rester fidèle avec le président Jovenel Moïse, rester tendre ça l'a dit puisque chaque action lui poser, chaque jour qui passe lui poser dans intérêt population. Nous avons un secteur privé, un secteur commercial là, qui accompagne le président. Oui, il y a un entrepreneur haïtien qui accompagne le chef de l'État. C'est nous toujours garder qui perspective qui est capable de développer. Parce qu'on est là où on a Haïti, où on fait business, ça arrive avec des autres monde qui en France, qui est
entrepreneur. Parce que le langage entrepreneur, c'est de lui parler, c'est de lui comprendre ce qu'il a dit. Mais là, c'est un entrepreneur qui lui-même a investi en Haïti, qui a expliqué à un entrepreneur français ou bien belge, ou bien il commence à changer en Haïti. Il y a plus de monde qui parle Haïti encore comme une destination humanitaire, mais plutôt une destination côté, il y a plus d'opportunités pour lui venir investir et pourquoi pas, et lui venir investir pour le bel travail. Et tout ça, il faut que nous clair avec auditeurs et téléspectateurs téléguinéens, tout ça n'a pas dit, il est passé. Et inévitablement par la stabilité politique qui est le premier des biens publics. Et maintenant, toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices qui attendent nous, je vous remercie. Merci à vous, M. Bourge, et merci à vous avec Radio Téléguinée de tous côtés. Nous avons dit 27,754 km², mais finalement, c'est le village global. Hein? Le village global. Merci à vous, et nous là, c'est notre cadre bâti Haïti. Nous même tout nous là nous parler de construction palais nous et nous même qui des chances qui avant tremblement de terre en 2010 télé même de la guerre palais pas nous à tête qui est en relais gain de tout temps avant mais nous regardons palais là donc c'est beau à voir le quand même que pays a les même tout nous qu'à travailler pour nous construire il y a pour nous construire propre palais pas nous Jean-Lucien Bourge depuis palais de l'Élysée avec Denis Wilson on était suivre toujours parce que jusqu'à moment ça président Bukovini. Mais à n'importe quel moment, tout est en place. Et vous-même, je vous invite à garder. Et ma petite pause, je vous retourne. Pour même pas déplacer. Respecte président à l'entrée du palais de l'Élysée. Et voilà, c'est cette délégation qui n'a pas entré. Voilà, amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous voyons le président Jovenel Moïse entrer dans le palais de l'Élysée et qu'on y a, il va aller dans une rencontre bilatérale avec homologue président Emmanuel Macron. Eh bien, nous allons informer. Voilà, c'est garde d'honneur. Qui est même avant entrer dans la base. Jean-Lucien Bourge et Denis Wilson avec vous-même pour informer vous-même, amis auditeurs et amis téléspectateurs, téléspectatrices, quel que soit côté où il y a. Nous en direct depuis le palais de l'Élysée. A tout à l'heure, Répébenché Radio Téléguinée, n'importe qui moment, après un compte là, on est capable de tourner pour informer en direct depuis le palais de l'Élysée. Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'accueillir aujourd'hui le président
Jovenel Moïse à l'Élysée, président de la République d'Haïti, pour son premier déplacement en Europe à l'occasion du sommet One Planet, où il interviendra demain. Je veux dire combien il est le bienvenu et combien je suis très heureux d'avoir eu l'occasion d'échanger avec lui les sujets internationaux que nous avons en commun comme les sujets bilatéraux. Et je pense qu'il était extrêmement important que le président puisse être présent à ce sommet et intervenir tant son pays a pu lui-même connaître dans sa chair les conséquences du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques que la région a pu avoir à subir. Ce premier entretien nous a permis de saluer ainsi que les initiatives bilatérales qui ont pu être prises en termes de formation de la fonction publique et de la haute fonction publique haïtienne, ce qui est un élément important de la structuration de l'État de droit. Notre souhait est aussi de pouvoir consolider l'aide internationale pour ce qui est de la France et consolider aussi la part des investissements français en Haïti. Haïti fait partie des pays prioritaires de notre coopération et nous accordons une grande importance à la relation bilatérale dans ce cadre. Je pense que tout le travail, là aussi, de lien avec les bailleurs internationaux que conduit le président est extrêmement structurant en la matière, comme les discussions qui ont été entamées avec le Fonds monétaire international et les réformes ambitieuses pour donner un cadre aux investissements étrangers. La France, par le truchement de l'Agence française de développement, s'est concentrée sur trois secteurs prioritaires. L'éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre les effets du changement climatique. En matière d'éducation, le plan d'action établi en 2015, justement un projet d'adaptation et de gestion des bassins versants pour 30 millions de dollars. Et Haïti pourrait devenir à ce titre l'un des premiers, si ce n'est le premier pays, à obtenir un projet d'adaptation dans le cadre de ce fonds vert. Nous sommes convenus d'accélérer en la matière le travail pour, en termes de travaux publics, en termes d'électrification, accélérer la coopération bilatérale qui permettra là aussi d'arriver à la réalisation de projets concrets. Enfin, je souhaite que nous puissions également intensifier notre relation dans le cadre de la coopération régionale et de la CARICOM, dont Haïti va exercer la présidence à compter du 1er janvier prochain. Comme vous le savez, nous avons plusieurs États, plusieurs territoires qui sont candidats et ont entamé des négociations en vue d'adhérer à l'organisation en tant que membre associé. Et je souhaite que nous puissions arriver au terme de ce processus. Et je redis toute ma volonté de pouvoir avancer avec la CARICOM sur des projets concrets. Le sommet de demain sera d'ailleurs une traduction concrète de cette volonté de coopération renforcée, puisque la CARICOM s'engagera de manière très concrète en la matière. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager toute la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer, les initiatives que vous prenez en ce sens. Je redis ici au président tout notre souhait que des entreprises françaises viennent davantage investir en Haïti. Nous allons les y pousser par des initiatives ponctuelles et des accompagnements. Et je crois que toutes les réformes que vous êtes en train de conduire sur à la fois l'état de droit, le cadre d'investissement et la modernisation de l'économie permettront d'œuvrer en ce sens de manière efficace. Voilà le contenu des échanges que nous venons d'avoir et qui permettront de scander le travail des prochains mois et qui me permettent de redire au président toute la joie que nous avons d'accueillir ici à Paris, toute la détermination qui est la mienne de pouvoir agir ensemble pour son pays et agir ensemble contre le réchauffement climatique. Merci d'être là, président. Merci. Au nom du peuple haïtien et en nom propre, j'ai éprouvé une immense satisfaction de mon entretien avec le président Emmanuel Macron sur un ensemble de sujets d'intérêt pour nos deux pays. Haïti et la France possèdent des liens forts d'amitié et de solidarité. Nous partageons pleinement la vision exprimée par le président Macron. Haïti croit que le développement est une décision et un processus national. Au cours de nos échanges, nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux.
l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et aussi, les capacités des institutions de l'État haïtien pour mieux faire face aux défis du développement. J'en profite pour saluer le leadership et l'engagement profond du président Macron pour la tenue du sommet sur le financement de l'action climatique. 2 ans après l'accord historique de Paris sur le changement climatique. Haïti soutient fortement cette initiative et entend, au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018, œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régional pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie et leur environnement aux effets du changement climatique. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que la Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Donc tout tendez ou même à propres oreilles par où et nous-mêmes nous capables de faire vivre et nous faire vivre en direct et en direct absolu sur Radio Télé Guinée qui nous-mêmes en direct était en direct avec vous depuis Palais de l'Élysée. Jean-Lucien Borge, Deline Wilson. Mettez dans chez Radio Télé Guinée à quel que soit événement, nous allons aller ensemble avec vous, nous sommes capables de faire vivre en direct. Mettez branché.